C'est qui commence là du coup? C'est moi qui dois te faire deviner. D'accord. Ah, je vais me mute, histoire de réfléchir à haute voix. Si je mets géographie. Ah non, mais il y a Alexandrie. Parce qu'il y a Berlin, Afrique, français, mais il y a Belge qui est le mot noir. Alors ça, putain. Ça, c'est très dangereux. Sardine. C'est un sardine, école. Oh là là, c'est dur en vrai. Attends, je regarde. Franchise. École. Or. Les feuilles, plomb, sardine, Berlin, Afrique. Je mets anneau pour or, anneau pour franchise des Seigneurs des Anneaux, et encore plus loin, Afrique, parce que Tolkien est né en Afrique du Sud, messieurs. Ok, non, c'est à chier. Très bien. Français, Afrique. Je pourrais dire un truc genre Sénégal, tu vois. Parce qu'il parle français, c'est en Afrique. Mais bon, en deux, c'est un peu dommage. Berlin. Berlin, français, feuille, plomb. Plomb. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire à Berlin, français et plomb en mode une guerre ou je sais pas quoi? Franchise. Ah oui, j'ai pas mis la prédit, pardon. J'essaie de pas trop vous lire pour l'instant. Si je suis trop en galère, je vous réponds. Je vous réponds. Franchise Berlin. Ouais. Une franchise. École. Feuille, plomb. Feuille. Ils sont tous partis ? Et feuille d'or. Non, non, on est là. Ah, d'accord. Feuille, il y a un point qui réfléchit là. Feuille d'or, sardine, plomb. Oui ! De l'or en plomb. L'or en plomb. Ils transforment l'or en plomb. C'est qui faisait ça? C'était pas genre Nicolas Flamel? Et dans ce cas-là, je mets école, pour l'école des sorciers. Il l'aura jamais, ça. Attends. Alors, ça, il l'aura absolument jamais. Quels sont les mots? Connaissance. Je suis désolé, c'est un peu dur, hein. Je réfléchis, hein. Pardon. Prends ton temps, mec. Afrique, français, Berlin. Qu'est-ce qui pourrait lier les trois? Afrique, français, Berlin. Parce que si je mets géographie, il peut penser Alexandrie. Et il peut penser belge. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce qu'Alexandrie, c'est bleu. Et belge, encore pire, c'est le mot noir. Donc, Afrique, Berlin, français. Colonie. Mais tu rigoles, les Belges, genre, ils ont pas eu de colonie, les Belges? Va dire ça aux gens du... Va dire ça aux Congolais, hein. Qu'ils ont pas eu de colonie, les Belges. Non, non, ça va être des questions. Je regarde un petit peu. Matière en 4 pour or, plomb, feuille. Et c'est tout. Je vois même pas le quatrième, moi, donc... Tirailleur. Ah. Putain, j'avoue, tirailleur. Tirailleur sénégalais, africain, français, époque. Antoine, tu t'en sors? Plomb pour tirailleur. J'avoue que c'est pas mal. Non. J'avoue que c'est pas mal, ça, tirailleur. Est-ce que... Ouais, mais flèche, il peut peut-être penser à ça, non? Peut-être penser à flèche et encore. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Perroquet, arc. Il y a arc et flèche, hein, ceci dit, mais... Grade, bretelle, statue de plateau, visage, Alexandrie, pensée. Or, plomb... Des mines. Des mines de plomb, ça existe, ça? Parce qu'il y a des mines en Afrique, des mines d'or. En vrai, mine, ça pourrait être pas mal. Plateau, or, aile, chauffeur. Après, flèche, ça fait un peu mine, en vrai, aussi. Ça fait un peu... Je suis désolé, ça m'est mis lent. Or, plomb, école. Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Il y a le... Tu apprends le français, les maths, la géographie, l'histoire. C'est des...
Matière, école, or, plomb, école, feuille, matière. Ah oui, putain, c'était ça le matière en 4. Oh, c'est très très chaud ça. Attends, 1, 2, est-ce qu'il y en a d'autres, attends, qui pourraient correspondre à ça? Pas tellement en vrai. Hein. Et français en 5. Oh. Ok. Tu es là, Fred? Oui. Est-ce que tout le monde est bien là? Nous sommes tous là. Oui, on peut reboot la grille, s'il vous plaît? Quoi? Quoi? Écoutez-moi bien. Fred, non. Je vais te demander une dinguerie. Allez. Sex? En 5! Ouf. Mais non. Non! Allez, vas-y. Vas-y, en 5, Antoine? Matière! Ok, matière. Donc déjà, il y a chauffeur. Alors, la sardine, bien sûr, est une matière. Ok, le plomb, bien sûr. Matière! Le français est une matière. L'or, évidemment. L'école, ça veut dire, l'école, c'est là où on enseigne des matières. Renaissance, la pensée, non, la pensée, est-ce que dans pensée. Je suis mute là. Matière, pensée, ouais. Non. Je pense que le dernier, c'est le plus dur à avoir sur les 5. Non. Flèche. Oh, s'il trouve 5, moi je quitte la game. Personnellement, moi aussi. Déjà, j'avais déjà envie de partir, déjà de base. Alexandrie, matière, non. Là, visage. Port, non. Plateau. Non. Tout Berlin. Est de la matière. On est que des atomes, mec. franchise. Arc. Alors, attends, on va vraiment en exclure. On va en exclure. Arc. À matière. C'est vrai que ce serait cool un bouton pour exclure. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, du coup. Merci le Kenny pour les 15 mois. Bretel, merci Kaname pour le sub. Mr. Freeze, c'est les 15 mois. Et merci pour le train. Matière. Ou quoi, là? C'était pas cloqué votre frame, bien sûr. On va voir en quoi ça serait une matière. Hein, bien sûr. Ça avait éventuellement une bretelle en tissu. Tissu, c'est une matière, mais là, c'est, ça va chercher trop loin. Bon, déjà. Oui, le dernier est trop dur. Le plomb, oui. Le français, oui. Oui. L'or, oui. Oui. Il a déjà. Ah, c'est Mentos. L'école, je pense que l'école, oui. C'est trop facile. Zera, ça va bien. Il y a quoi pour le prime. Réfléchi, il a dit. Mais oui, mais il allait sur la page de Twitch là, il voit le mot noir et les mots. Alors à lui. C'est juste le dernier en fait. C'est impossible. Antoine il triche. Antoine il triche. Matière. Allez visage. Des Florence là. Je suis comme pour les 19 fois. Valentin BTD pour le prime. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui me dit grade peut-être. Dis pas ça Florence. Mais non, matière... Florence, j'attends minimum un 4 après. Matière, peut-être, parce que... Matière, grade, c'est note en anglais. Est-ce que le mot que je dis est obligé d'avoir un rapport avec les mots que tu dois deviner? Non, pas forcément. Dis au hasard, hein, t'inquiète. J'ai peut-être... Je devinerai, je devinerai. Merci, Alta. Grade, après tout, grade... Ah, sorry, les 8 mois, merci. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Non. Non, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très, très bien. Ah bah voilà, bah, en 7, 6... Oh, bah. Le cinquième mot était vraiment dur, en vrai. J'ai peut-être un peu grid, effectivement. Là, ça a éliminé le seul qui m'empêchait de dire sexe. Bon, bah, sexe. En 7. Franchement, je suis trop dans la merde. J'ai tourné le problème dans tous les sens. Ah ouais. Donc, je vais te dire en 3. C'est vraiment de la ça merde. Ça va, c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien. Je vais dire. Tige. Tige. C'est Califora. Oh la vache. 5 mois, Mirédel, les 29 mois. Soulja Bob. Alors, c'est je vais mettre ce qui me vient à l'idée en premier. Donc, une flèche. C'est un peu une tige. Oh, je les ai pas, même ceux de Florence, là. Non, t'as pas fait ça. Berlin, putain, c'est la pensée au phare d'Alexandrie. Franchise, perroquet. Elle va mettre feuille. Elle va mettre feuille. Elle tige d'une feuille. T'es sûr que t'avais bien vu les mots, Florence? J'ai bien vu les mots. T'as bien compris que t'étais bleu, Florence. Hein. L'arc, on tire avec une tige. Mais bon, arc et flèche, t'aurais pas mis tige. Donc, pourquoi t'as mis tige? Coton-tige pour le visage, visage-oreille, non, impossible, t'as pas fait ça. Renaissance-tige, prince-tige, tige-prince, belge-tige, ça fait chier, Afrique-tige, la franchise, une aile de tige.
Chauffeur-tige, feuille-tige, 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 ouais, ok, feuille-tige, le feuille-tige aux amandes, par exemple, c'est très bon. Bretelle, arc, arc-tige, flèche, flèche-feuille. En vrai, boîte, pour Berlin et sardines. Arc, pas arc, trop mal, hein. Flèche-feuille, t'aurais dit tige, non. Boîte pour Berlin et sardines, après, est-ce qu'il sait qu'il y a des boîtes à Berlin, okay, Fred, tige, rien n'est moins sûr. Portige, portige, un portige. Pour rentrer dans les maisons, un portige. Ok. Berlin, Berlin, tige, non, impossible. Hein. Ouais, pour Berlin, Berlin, c'est super connu parce qu'il y a masse boîte de nuit. Un satellite, c'est un peu une grosse tige dans l'espace. Et en plus, ça. Même une double tige des fois. Et en plus, avec boîte. Bon, déjà, je vais dire, feuille. C'est entreprise. Oui. Mais oui, quand elle a dit tige, j'étais en mode, ah bon. Oh non. En fait, je l'avais un peu oublié celui-là et je me suis dit, vas-y, avec. Franchement. Bon, il va pas dire ça en premier, tu vois. Oh, je suis DSL. Bon, ok. C'est moi qui suis sincèrement DSL. Et là, ils ont 4, c'est perdu. Ok, Non, c'est gagné, parce que là, t'inquiète, j'ai les 3. C'est bon, c'est sûr et certain. Ah, je regarde. Je vous assure que j'ai un truc horrible. J'ai vraiment... J'ai envie de le tenter, les gens, en vrai. Tige, c'est bon. Moi, j'ai envie de le tenter, genre, comme ça. Pour ça. Ça. Et ça. Moi, je dis. Oh, la vache. Ok. Moi, je dis. Hein. Moi, je dis que c'est pas mal, ça. Et il va peut-être mettre ça. J'ai envie de le tenter. Je trouve que c'est du beau jeu et on a de l'avance. On peut se permettre. C'est vrai. Il a tenté en 7, là. En plus, il peut pas mettre ça. 4. Je réfléchis. 6. T'as un problème avec ça, Zera. J'aime bien, il y a quelqu'un qui me dit... Parce que c'est le grand joue safe, géographie en 2. Ok, il va appuyer sur belge. 6 qui peut aller avec Super safe, ou... effectivement. 6 visage. Ouais, remarque. Tous les mots, mec, tous les mots. Tu pourras trouver une justification à tous les mots. Faire du perroquet, on peut faire du sexe avec des perroquets. Bah... Toi peut-être, mais sinon... Boîte belge, boîte de nuit belge, boîte de chocolat belge. En vrai, c'est comme... Belge. Enfin, comme tu veux, vu que c'est illégal, mais... On ne king shame pas. Bah ça, du coup, un peu aussi... Mais bizarre quand même. On shame pas, mais on emprisonne, voilà. C'est... Après non, on shame pas, c'est pas... C'est pas une honte, c'est plus un problème, je dirais, mais... Mais bon. Voilà. Vas-y, j'ai envie de le tenter, je m'en bats les couilles. Au pire, on perd, hein. Au pire, hein. En 3. Non. Boîte. Boîte. Ok, boîte. Boîte. Renaissance. Renaissance boîte. Non. Flèche. Flèche, flèche, boîte, boîte, flèche. Est-ce que les flèches sont des boîtes? Non. prince. Les flèches sont des boîtes. En fait, juste, je t'ai envoyé le mot noir en privé, si jamais, pour pas que tu cliques dessus. Ah, ah oui, oui, ça d'accord. C'est important, ça. Ouais. Ça marche, merci, merci. Putain, boîte. Ouf. Ah, boîte de sardines, évidemment, déjà. Ensuite, boîte. Satellite, ça pourrait être considéré comme une boîte. C'est une grosse boîte qui flotte. Effectivement, je pensais effectivement qu'il allait dire ça. Merci beaucoup, Barak, pour les 45 mois. C'était ma crainte. Chauffeur. Et c'est Storm Cooper pour le prime. Chauffeur, est-ce que les voitures sont des grosses boîtes? C'est bizarre. Port, du port en boîte, est-ce que ça existe? Du port en boîte? Je sais même pas si ça existe. Non, ça n'existe pas, le port en boîte. Même pas du port dans des boîtes. Je suis sûr, franchement, que ça existe. Le truc, le spam, là. Le spam aux États-Unis, c'est pas du port? Le quoi, le quoi? Alors déjà, évidemment, ça le spam, l'origine du mot spam, tu sais, les pourriels, c'est, ça vient d'une boîte de oh, il a dit pourriel, quoi. Ah bon? Oui, le pourriel, pour qu'elle comprenne. Il a dit pourriel, premier degré, JPP. Mais tu voulais que je dise quoi? Bah, spam. Pour t'expliquer spam. Bah... J'ai pas nous, on laisse 18 mois, merci beaucoup. Franchise... Bon bref, les pourriels, c'est du porc dans le spam, voilà, c'est tout. D'accord, c'est... Boîte Afrique. Je crois, j'en sais rien, mais... Boîte Afrique, non. Elle, boîte. Bizarre, quoi. Elle. Berlin, bon, il y a des boîtes célèbres à Berlin, je suis sûr, mais... Courrier indésirable, voilà. J'aurais pu dire ça. Ouais, okay. Qu'est-ce que t'as voulu dire avec sardine... Enfin bon, avec boîte à part sardine.
Ça, il y a quoi comme autre mot? Les boîtes, ça a commencé à la Renaissance environ, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est à Alexandrie. Les boîtes à penser aussi. Pendant la Renaissance, à Alexandrie, il y avait beaucoup de boîtes, je crois. Ouais, ouais, complètement. Beethoven, il allait en boîte. Alexandrie, qui est en Afrique d'ailleurs. Oui. Quand les gens achètent des perroquets, ils les mettent dans des boîtes qu'on les transportait jusqu'à la volière. Mmh. Ouais. Après, on dit souvent mets tes pensées en boîte. Mmh. Ouais. C'est vrai, ça aussi. En boîte, il n'y a pas je que des flèches. Sérieusement. Je l'ai dit à moitié sérieusement en fait, mais. Belge. Et les Belges mériteraient d'être dans des boîtes, peut-être. Ce genre de truc, non? C'est pas qu'il n'y pas comme ça, ça m'étonnerait. Le prince belge d'Alexandrie en Afrique pendant la Renaissance. Le fameux. Mm-hmm. C'est connu, mais bon. Les Belges mériteraient dans des boîtes, il a dit. On a vu quoi, bref. C'est vrai qu'il a dit ça. Les bretelles, ça s'achète dans des boîtes, je pense. Les jeux de plateau aussi, c'est dans des boîtes. Tu vas en boîte, tu dirais, tu viens pour les bretelles? Ouais, moi aussi. Ah, les jeux de plateau dans des boîtes, en vrai, c'est pas con. Si, c'est un peu con. Je trouve c'est un peu con. En fait, je vais le mettre. Ah non. C'était effectivement un peu con. Mais pas si con, en vrai, pas si con. Quand tu l'as dit, je me suis dit, ah merde. On a peut-être une occasion ultime. Oui, bah oui, bah attends. J'ai cru qu'elle a essayé le vrai. C'est bon, en fait, t'inquiète. Non. Ouais. Ok. Maintenant, alors, tu fais en 3 et on a gagné. Alors, je vais te faire en 2. Ok, vas-y, en 2. Parce que je peux pas faire. En 2. Ah oui, peut-être. Et je vais te dire. Phare. 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 Eh ben. Visage, ça me paraît évident, mais le deuxième, Alexandrie, évidemment. Donc Alexandrie, visage, et je voudrais mettre flèche en 3. Comment je fais pour faire cette manipulation? Juste tu cliques. Ok, alors visage, Alexandrie, flèche. Jaffa. Boum! Let's go! C'est naufragé, c'est papillon. J'ai une question, si j'avais écrit phare comme le phare d'Alexandrie, t'aurais jamais pensé à visage, on est d'accord? Absolument, Florence. Voilà. J'aurais jamais pensé. J'ai bien fait. Non, mais là, faut que je le fasse en... Eh bien joué, bien attends, joué. Attends, je vais mute. Faut que je le fasse en 3, forcément. C'est forcément, vrai. Parce que là, elle va le faire en 3. Ouais, c'est papillon. Lieu en 2. Mais oui, mais je vais passer belge. Ça... Bon, après, c'est vrai qu'Afrique et Berlin... Alors, j'ai effectivement peut-être belge. Une idée sur un des deux autres avant. Bon, tu peux me le dire que je te le confirme ou pas? Je t'envoie pas MP. Ouais, merci, merci, merci. Berlin, capitale de l'Allemagne. Oui, le phare c'était pour le phare à paupières en effet. Berlin, capitale franchise. La franchise, on parle d'une entreprise, mais on peut aussi parler de la qualité. La franchise, il est franc. France CFA. Afrique. OSS 117. Je sais pas. OSS. Pourquoi Berlin pour OSS? Il y a un truc à Berlin dans OSS? Afrique, oui. Et franchise, bon, il est très franc et con, tu vois. Allô? Les nazis. Ah oui, oui, il combat les nazis, c'est vrai. Ok. Concentration est palpable en ce cas. Oui, oui, pardon. Non, y a pas de problème. Sinon, je tente en 2 et il tente de mettre le troisième, tu vois. Parce que si je mets lieu en 2, c'est Berlin et Afrique. Bon, il mettra pas belge, c'est plus des chances de mettre Berlin et Afrique. Il est très con s'il met belge parce que c'est pas un lieu. C'est une langue et des gens. Non mais OSS, il va dire chauffeur, à un moment il conduit une voiture. Arc, l'arc OSS 117. Perroquet, il n'y en a pas dans à Rio, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je sais pas ce qu'il fait. Rommel pour Berlin et Afrique. Alors, Rommel, c'est pas mal.
En plus, ça va lui parler, lui qui aime tant. Super l'ambiance. Qui aime tant ça. Ah, j'ai réfléchi avec mon chat, moi. Super. Mmh. Il y a des gens qui sont passés sur mon stream et qui ont la réponse, quoi. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais bien sûr. Non, mais y a pas, j'ai pas vu la réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse dans le chat, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, vas-y, je vais le tenter. En vrai, c'est pas mal. Et surtout, ça va te parler, Fred. Ça va te parler. Je vais te le faire en deux seulement. Vas-y. Si t'as envie, tu peux en mettre un troisième, bien sûr. Mais c'est à ta convenance, bien sûr. En deux. Rommel. Ah. Ça, tu kiffes, ça. Allez, donc Berlin et Afrique. Ça va pas, quoi. Ok. Bien joué. Ah, mais cache direct, quoi. C'est facile en même temps. Et c'est fini, là. Oui, tu peux en mettre un petit troisième si t'as envie. C'est évident, le dernier. Moi, je voulais mettre franchise. Oui, évidemment. Oui, boîte, c'était sardine boîte Berlin franchise. Pour les boîtes de nuit et franchise, une franchise de boîte. J'avais tout. C'était vraiment les boîtes de nuit Berlin, d'accord. Je croyais que c'était moi qui avais halluciné. Non, c'est un peu connu pour. Il y a beaucoup de boîtes de nuit à Berlin. Satellite, bretelle pensée. Ouais, donc, Tige, c'était pour Alexandrie, c'est ça? C'est quoi? Tige, c'était pour Alexandrie. C'est censé être le phare? Je pensais à bretelles, satellites, genre en mode il y a des antennes, tu vois. Tiges, des bretelles. Tiges, flèches. Oh ouais. Et je me disais éventuellement coton tige pour le visage. Enfin, c'était un peu tarabiscoté, mais ouais, en vrai, ouais. Regarde les mots que j'avais et essaie de trouver. J'ai hésité. Visage, coton tige, t'as vu, je l'ai dit en plus, mais je me suis dit, ouais, non. Ce qu'il faut retenir, c'est que JDG, il associe franchise à Rommel, quoi. Donc ça, c'est très important quand même. Rommel, bah, pensez déjà, voilà. Déjà franchise, hein, avant tout. Prince pour commencer. Mais il avait pas un... Non, c'était le... Il se faisait appeler le renard du désert ou un truc comme ça, je sais plus. Le renard du désert. Ouais, c'est ça. Ok. On va se pire, en vrai. Hein. Moi, quand t'as dit matière, je pensais que c'était... Mais j'avoue, le tirage de Florence, c'était vraiment terrible. Hein. Ouais, c'est...